Bonjour à tous, on se retrouve pour la présentation évidemment de la boxe Le Boudoir de la rentrée, la boxe de septembre. J'ai encore pris énormément de plaisir à sélectionner tous les petits articles. Vous commencez à connaître un petit peu le fonctionnement, donc là je commence par le cadeau de la boxe Gold. Je le répète, c'est un des abonnés de la boxe qui remporte un cadeau haut de gamme d'une certaine valeur en plus qui sera glissé dans sa box ou alors qui sera envoyé en aparté, ça dépend du volume, et ça c'est tous les mois. Donc ce mois-ci il s'agit d'une marque très originale, Agenalogy. Ça se présente dans ce packaging. Il y a 5 parfums en fait dans la gamme différents. Nous avons choisi, je dis nous, avec la créatrice, la Sérénité. Ce sont des parfums donc déjà 100% naturels, des parfums émotionnel. Elle m'a dit quelque chose de très vrai, moi la première, quand on se parfume le matin, on fait plus gaffe. C'est devenu un réflexe, c'est devenu quelque chose d'instinctif, tac 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 tac, sans penser à ce qu'on met. Alors que là, ce sont des parfums pour se reconnecter, pour prendre le temps, apprécier la fragrance, apprécier le mouvement. Chaque parfum a des vertus. Agenalogy accompagne nos besoins émotionnels du quotidien. Nous avons sérénité, confiance, cure, méditation et désir. D'ailleurs, la gagnante aura également les échantillons pour découvrir la gamme dans son intégralité. Celui-ci coûte 20€ et le parfum 70€, donc vous l'aurez compris, cadeau box gold d'une valeur de 90€. La petite carte pour aller avec. Le bien-être a une odeur. Ça, c'est le slogan. Voilà, chaque parfum a des vertus. Donc voici le parfum qui se présente avec sa petite pipette et il y a également c'est de mettre ça pour vaporiser tout simplement. C'est très compliqué de définir, mais il se passe quelque chose. C'est une odeur qui me fait, je vais parler en mon nom, qui me fait un peu m'évader, qui me fait partir. C'est pas un parfum qu'on a l'habitude de sentir tout simplement. Maintenant, il y a de la vanille, mais alors pareil, elle m'expliquait que c'est pas de la vanille classique, c'est vraiment fleur d'oranger, néroli, jasmin, bois de rose, fève, tonka, carotte, santal, vétiver, et chaque senteur a des vertus. Par exemple, le vétiver, c'est favorise l'ancrage et apaise l'anxiété. Le santal, ça favorise la relaxation, le bien-être physique et mental. J'aime beaucoup, beaucoup cette fragrance. Et quand tu ouvres, il y a un petit mot juste ici. Et si vous preniez une minute pour vous demander comment vous vous sentez? Donc vous allez pouvoir retrouver comme à chaque fois en barre d'infos sous cette vidéo tous les liens vers les marques que je vais vous présenter dans cette nouvelle édition. La box de septembre a pour thème déjà flyer. Flyer qui est un petit peu plus souple par rapport aux autres flyers, ça va revenir hein, dès le mois prochain. Seulement, la box de ce mois-ci est très lourde. À quelques grammes près, je dépassais au niveau du poids. Donc on est parti sur un format exceptionnellement un petit peu plus léger. Enfin, en soi, c'est pas bien grave. Donc je remonte quand même de plus près. J'ai intitulé le thème de ce mois-ci « Un moment unique ». Et comme d'habitude, toute la description au dos. Pour certaines box, il y a certaines personnes qui vont retrouver, et d'autres l'avaient jamais eu, c'était au tout début ma box, elle a 2 ans, j'avais fait faire des stickers box Le Boudoir et j'ai changé, il m'en restait quelques-uns donc je les ai mis parce que là je suis en attente des autres qui devraient pas tarder, mais j'avoue que je trouve tellement mignon celui-ci. Regardez le petit stickers que certains d'entre vous connaissent déjà, je vous le montre d'un petit peu plus près. D'ailleurs c'était la graphiste Studio Pampan, graphiste très très douée. Allez, c'est parti. Ah bah, vous savez quoi, je vais commencer par la gourmandise parce qu'elle est juste sous mes yeux. Le retour des petites gourmandises. Alors, 2 modèles possibles, précisément du petit beurre, mais attention, pas des petits beurres que tu trouves partout. Déjà, la petite boîte est toute mignonne. Ce sont des, on va dire, mini quand même, des mini petits beurres. On a celui-ci qui est donc à la vanille. Il s'agit de la marque Sophie M, une marque avec laquelle j'ai déjà collaboré. J'avais intégré leurs petits bonbons, je ne sais plus si c'était pour la Saint-Valentin, des petits bonbons en forme de cœur, vegan, qui étaient aussi très très bons. Et il y a également la possibilité de recevoir cela, chocolat. J'adore le petit côté pois, en même temps c'est un petit peu ma box. Voilà. Et à l'intérieur, même dans celui-ci, dans les deux, nous avons recette originale au sel de Guérande, fabrication française évidemment. À l'intérieur, c'est tout mimi.
Vous avez vraiment de quoi vous faire une idée. Donc, à l'intérieur, il y a 12 petits beurres. Et je peux vous dire que c'est très très bon. Notamment trempé dans une petite mousse au chocolat, par exemple. Voilà. Ils font des choses absolument dingues. On peut pas tout mettre, on est d'accord. Et notamment, je craque à chaque fois. Ils m'avaient envoyé pas mal de petites choses pour tester. Moi, j'ai eu un énorme coup de cœur pour leur guimauve, donc petit nounours coque chocolat, ça j'aime énormément. Mais je sais que c'est quelque chose qui est assez clivant, tout le monde n'aime pas la guimauve, donc j'ai pas osé mettre, mais il y avait des boîtes en plus tellement chou. Dites-moi tiens en commentaire si vous aimez bien les guimauves enrobées de chocolat. Donc cette petite boîte coûte, je reprends ma fiche quand même, 4,70€. On poursuit l'aventure avec le bijou. Alors, vous allez peut-être connaître la marque. C'est la marque Joya Bijoux avec laquelle nous avons travaillé le mois dernier. Ou non, il y a 2 mois. C'était notre box gold avec un ensemble de bracelets. Vous pourrez retrouver aussi dans le site. Et déjà à l'occasion, je vous l'avais dit ou pas, on voulait absolument travailler sur un modèle pour que tout le monde ait une de ses créations. J'ai souhaité mettre une bague, j'en mets pas très souvent, évidemment c'est une bague qui est réglable pour que ça aille au plus grand nombre. C'est une bague très fine, super élégante. Donc le petit pochon comme ceci avec du papier de soie. J'espère juste qu'en vidéo ça va rendre un certificat d'authenticité évidemment, parce que ça ne rigole pas. Donc la marque, donc hop, là et ici, certificat d'authenticité. Donc c'est une base en argent sterling 925 recouverte d'une fine couche d'or 18 carats 3 microns. Nous avons également sa petite carte. Je vais essayer de faire des close-up pour que vous puissiez évidemment voir les détails de plus près. Je vous la mets là. Moi j'aime bien donc mettre mes bagues soit au pouce. Et je peux vous dire, j'en ai mis 2-3 pour voir, ça rend tellement bien. C'est une édition spécialement pour la box. Je voulais vraiment quelque chose de très fin pour que même les personnes qui ne sont pas trop bagues se disent « Ouais, quand même, elle est discrète, elle est belle. » Très très belle. Et en accumulation, si vous avez d'autres bijoux, c'est canon. Elle est martelée pour un effet fin et délicat, c'est vraiment ce que moi je voulais. Elle est ajustable et s'adapte ainsi à toutes les tailles de doigts. C'est une bague qui coûte 25€. On poursuit avec le troisième article de la box. Je vous ai mis une petite brume d'oreiller qui peut faire office. Moi je la mets un petit peu dans la maison. C'est une brume textile, c'est une brume, tu peux le mettre dans l'entrée, tu peux le mettre n'importe où. Mais alors les senteurs, les personnes qui l'ont reçue et qui ont eu le temps de sentir, dites-moi si c'est pas ouf la senteur. C'est délicat. Donc nous avons 2 possibilités. Je voulais quelque chose qui soit évidemment pas capiteux, pas entêtant, qui soit hyper subtil et j'ai trouvé. Mais j'ai trouvé, c'est tellement chouette. Nous avons, donc c'est la marque L'Authentique, déjà c'est une marque française, éditeur de parfums. Regardez cette petite beauté, comme c'est pas tout mimi. Celui-ci, qui est fleur d'abricot. Et évidemment, vous me connaissez, j'ai rajouté pour chaque article un petit nœud comme ça, je trouvais que ça lui donnait un peu plus de charme. Là, j'ai mis un petit ruban comme ceci. Et nous avons la senteur, voilà, celle-ci, rosée du matin, d'une fraîcheur, d'une délicatesse. Et ça reste un petit objet déco très 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 mignon. C'est une brume qui coûte 11€. Collection l'éditeur de parfums, quelques pulvérisations sur l'oreiller suffisent à émerveiller vos rêves enchantés d'une senteur douce et fraîche. C'est exactement ça. Parfum spécialement créé pour L'Authentique par des parfumeurs à Grasse. Évidemment, ce n'est pas terminé. Et là, attention les yeux, attention les yeux. Je vous ai mis, pareil, c'est une marque qui était notre box gold du mois dernier, Gernetic. Je vous ai dit que cette marque, je l'aimais beaucoup. Le produit qu'on a réussi à vous glisser dans chacune des boxes, qui a quand même une valeur de 55€, rien que ça, votre box, elle est largement amortie. Je l'ai testé, évidemment, je l'ai adoré. Ça se présente dans ce petit boîtier, au niveau de sa compo, au niveau de tout un tas de choses éthiques. Je vous invite vivement à aller regarder un petit peu leur site. Donc on a le produit, c'est un petit lien comme ça coulissant. Qu'est-ce que c'est? C'est donc Lift Crème qui va se mettre donc pour et le contour des yeux, mais également le cou. Pour venir, on va dire, défriper, hydrater et le contour des lèvres également. C'est formidable. Je mettais donc leur sérum
en premier et ensuite je venais mettre par petites touches au niveau des yeux. J'adore. C'est un petit flacon comme ça, tube, flacon pompe. Donc ça dure quand même bien longtemps. Et le fait que bah, tu puisses utiliser pour pas mal de zones du visage, je trouve ça génial. Vous verrez le décolleté pour le cou, le décolleté. Je trouve ça top. Moi, je le mettais matin et soir au niveau de là. Et également au niveau des pattes doigts, au niveau du contour de l'œil. La Lift Crème cible le vieillissement du contour de l'œil, l'affaissement de la paupière, ouais c'est ça, et les rides du contour des lèvres et du cou. Véritable bijou anti-âge, cette crème aux actifs innovants stimule la capacité de croissance des cellules, lift visiblement la paupière supérieure, diminue les rides, la patte doigt et atténue les cernes d'absorption rapide, c'est vrai. La Lift Crème apporte un confort instantané et laisse la peau douce, adaptée à tous les types de peau, particulièrement dans le cas des poches. C'est une excellente marque, donc évidemment comme je vous ai dit, c'est une marque qui est made in France. Ils ont des produits absolument incroyables. Donc vous l'aurez compris, pour cette box de la rentrée, on a une sacrée sélection avec une belle valeur produit également. J'attends évidemment tous vos retours, mettez-moi tout ça en commentaire. Et évidemment, vous le savez, nous sommes passés à la box d'octobre qui va être tout aussi belle. Petit spoiler pour les personnes qui ne veulent pas ne regarder pas. Au niveau du bijou, nous allons être sur un collier. Un très joli collier et puis bah, le reste... que des pépites, des surprises, des gourmandises, de quoi se faire très très plaisir. Merci d'être de plus en plus nombreux à commander la box. Comme je l'ai déjà dit, c'est fou, j'ai des personnes, ma box elle a 2 ans et 2 mois, et j'ai des personnes qui depuis 2 ans et 2 mois la prennent. C'est juste dingue, donc merci, un grand 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 merci. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo évidemment. Bisous, ciao.